like to tell you about a dream I had last night. In my dream, the Hiss had broken free of this prison, this house. At first, many people thought it was horrifying. But also, many people wanted to welcome the Hiss in. Funny. That's all I can remember of that dream. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Control sur PS4. Édité et développé par 505 Games et Remedy, sorti officielle le 27 août 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Note agréable de 16 sur 20 sur la plupart des sites communautaires. Control, j'aimerais bien vous en parler, mais il faudrait que moi-même, je comprenne, que je puisse comprendre ce que je pourrais vous dire. J'incarne Jesse, je suis la nouvelle directrice du bureau des recherches. Donc, moi je vais vous expliquer par-dessus le dialogue. Elle a dit que ce mec avait un ARP. Un ARP, c'est l'espèce de gilet là, ce truc qu'il porte au torse. Ça les empêche d'être contrôlés par ce qu'on appelle le HISS. H-I-S-S. C'est une espèce d'entité, dites-vous, qui prend le contrôle des gens, et ce sont mes ennemis. Dans la plupart, ce ne sont même non que les ennemis auxquels j'aurai affaire dans tout le jeu. Et ce sont les anciens employés de ce bureau de recherche qui ont été contrôlés. Le HISS, apparemment, provient d'objets dits de pouvoir. Des objets de pouvoir, ça peut être un réfrigérateur, un micro-ondes, ou même, dans le cas présent de contrôle, d'un rétroprojecteur qui, à chaque fois qu'il diffuserait des images créeraient des portails et feraient sortir ce qu'il y a de présent dans les images, mais de façon plutôt néfaste, plutôt négative. Tout ce qui en ressort serait hostile. Du coup, mon but, en tout cas le but de Jesse, c'est de pouvoir, exorciser ces objets, exorciser les personnes qui sont encore susceptibles de l'être. Voilà, c'est à peu près l'objectif principal. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le lore du jeu, je préfère vous le dire de suite, il faut aimer lire. La plupart, même 95% du jeu, est expliqué dans les registres, documents et archives que vous pourrez trouver dans les bureaux. Pour limiter le spoil dans le jeu, je vais me faire violence, je vais uniquement récupérer les documents et je les lirai post-vidéo. Du coup, je ne pourrai pas comprendre ce qui arrive. Mais vous voyez à peu près dans quelle situation on est. Donc j'ai lu en biais, faut que j'aille à deux endroits. Réparer les pompes de refroidissement et trouver les convertisseurs. Donc ça c'est un checkpoint. Vous voyez quand c'est en rouge, c'est contrôlé par le HISS et ça devient blanc, enfin du moins un peu, plus clair on va dire, quand je l'ai contrôlé. Oui, plus 50% de dégâts de lancer. Vous avez un arbre des compétences et vous pouvez aussi équiper des mods à votre arme. Je suis devenue la directrice parce que, si j'ai bien compris, au début du jeu, c'est nous qui butons le directeur, ou du moins, le directeur est déjà mort. On suppose que c'est nous, on suppose peut-être pas que c'est nous, mais comme on a pris son arme, et que son arme est un objet de pouvoir, celui qui possède ce pistolet, celui que je détiens, devient le directeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez vu l'ascension sociale? Si ça se faisait pareil chez nous, putain! Ah, je l'ai raté. Bon, déjà, par contre, un gros point positif. Qu'est-ce que c'est jouissif? La télékinésie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour de jouer sur PlayStation 2. Bon, là, je m'adresse aux plus vieux d'entre vous qui ont pu jouer à Psyops. L'espèce de mec, de cobaye dans un espèce d'asile et qui pouvait faire voler des objets. Ou même Star Wars, le pouvoir de la force, tout simplement. Voilà. Où on attend bientôt le prochain Jedi Fallen Order.
pourquoi pas. Mais la télékinésie est super bien réalisée. Après, j'ai envie de vous dire que le jeu est développé par Remedy. Nous parlons des créateurs de la licence Max Payne, les précurseurs du bullet time, le mode ralenti dans les jeux vidéo. Ça vient d'eux. Donc faire de la télékinésie et voilà, une espèce de sentiment de lévitation et de projection d'objets, ouais. On a parié sur le très très bon cheval pour pouvoir développer ce jeu. 505 Games aussi est assez connu, éditeur et développeur de certains jeux, Payday, Sniper Elite et j'en passe. Vous avez vu une petite phase de combat, et là je n'y ai pas accès, mon dieu que ça va me faire chier. Alors voilà, le temps du jeu, c'est en fonction de votre fonction à vous démerder, à vous dépatauger des situations les plus délicates. Et moi je me perds souvent dans ce jeu. Donc je ne vais pas vous faire patienter davantage, je vais faire une fondue enchaînée et on va aller jusqu'à l'un de ces deux objectifs. Allez, j'y suis enfin arrivé. Bon. A savoir que le jeu ne coûte pas le prix fort, hein. 59€ chez les revendeurs les plus connus, et puis si vous allez ailleurs, dans les grandes surfaces ou autres, y a moyen de le trouver moins cher. Voilà, allez, d'une. On répare. La télékinésie, c'est vraiment génial. On peut dire ce qu'on veut, hein. Genre les mecs, vous savez, là, qui disent « Ouais, le pouvoir que j'aimerais dans la vraie vie, ce serait de voler. » Mais allez vous faire enculer, en vrai. Non mais sérieusement, la télékinésie, c'est le meilleur pouvoir du monde. Vous pouvez vous l'appliquer à vous-même, et vous pouvez voler. Vous pouvez contrôler le cerveau des autres par la pensée. Vous avez un pouvoir dit algésis. Vous pouvez faire mal de l'intérieur sans même abîmer la surface du corps. Vous pouvez lui péter les os de l'intérieur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les possibilités sont infinies. Franchement, d'avoir un jeu qui me permet de pouvoir contrôler le pouvoir que je rêverais d'avoir dans la vraie vie, mais c'est jouissif, c'est incroyable. Et puis je vous l'ai dit, quoi, Remedy a tellement bien travaillé sur ce jeu, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. Artistiquement, je le trouve fou comme jeu. Et puis, le fait que, vous savez, un peu à la sauce un peu Kojima, vous savez, on joue un jeu, on comprend pas trop où est-ce qu'on va, mais on kiffe parce que l'histoire a l'air vraiment juste folle, et il nous tarde qu'un truc, c'est de découvrir le poteau rose, quoi. Eh ben, ah ouais, non mais clairement, mais je trouve ça génial de ne pas comprendre forcément tout depuis le début et d'avancer un minimum à l'aveugle dans le lore. Et ça, c'est vraiment génial. Bon, c'est pas tout, mais elles sont où ces autres pompes? Non, en fait, non. Là, est-ce que... Non. Ah, en fait, non. Ok, il n'y a qu'une seule bouche pour mettre la batterie. Mais la deuxième qui y ressemble, faut pas en mettre. Donc faut trouver les autres. Ouais, c'est bien dans cette pièce, hein. Oh là là là. Quand je vous dis que je me perds dans ce jeu, c'est fou, hein. J'en suis à plusieurs heures de jeu et je trouve toujours pas, quoi. Après, s'il faut, c'est sous mon nez, je le vois pas. Qu'est-ce que c'est, ce machin? Pour les points faibles, ça se voit, quoi. Oh, mais ça m'a déglingué. Bon, j'ai fait un petit cut, hein. Je suis revenu à l'endroit où je suis mort parce que j'étais... J'étais revenu au point de contrôle. En fait, ce machin, ça crache de l'acide. Il faut juste être éloigné pour pouvoir pas prendre les dégâts. En fait, ça recule. Et il y en a un autre ici, je pense. C'est dégueulasse, hein. Bon, par contre, franchement, le cadre est stylé. L'atmosphère, elle est vraiment folle. Ça va, je suis assez loin. Bon, je suppose que dès que je vais buter ça, je vais accéder à la dernière pompe de refroidissement. Parce qu'entre-temps, j'y étais passé devant. Et la deuxième, elle était juste à l'entrée et je l'avais pas vue. Pour vous dire à quel point je me sens perdu dans ce genre de jeu. J'ai l'impression de jouer un peu au jeu du chat et la souris, quoi. Faut trouver... Ah, et le dernier, il est là. Voilà. Ça ira mieux. Je sais pas ce que ça va faire par contre, mais... Est-ce que ça va me libérer, je sais pas, un passage?
On va dire comme ce passage faisait jonction absolument partout, je me demande si non, en fait, au final. Faut se dépêcher. Ah, mais non, ok. Oui, ça m'a débloqué l'autre passage, du coup. Oui, il y a un autre passage auquel je pouvais pas accéder parce que la ventilation était bouchée. Et en fait... Ah, là, je viens de trouver la sortie, en fait. Bon, bah, du coup, il nous reste l'autre objectif. On va essayer d'aller le retrouver. On va bien y arriver, quand même. Je me rapproche. Mais qu'est-ce que c'est long! Putain, sans déconner, je crois que j'ai vraiment passé au moins 30 bonnes minutes à essayer d'aller du point A au point B, quoi. Mais... Laisse-moi passer, bordel. Ah, ouais, non, bon. Je crois que si je m'approche un peu plus, je me fais démonter. L'espèce de dalgue là, elle me détruise de l'intérieur, quoi. Le I, c'est trop puissant en elle. Et le I, ça a l'air bien puissant ici aussi. Bon, ça y est, on est à la zone. Vous voyez aussi, j'ai des petites missions secondaires qui s'affichent en haut à gauche. C'est moi qui les choisis, en fait, c'est une quête. Et ça me donnera un mode pour mon arme, si je réussis, etc. Donc vous avez des petites missions secondaires à accepter à chaque point de contrôle. Vous avez le choix entre 4 missions qui après sont changées. Si vous en avez fait une, ben, il n'y en a pas que 3, il y en a une nouvelle pour en faire 4 à chaque fois. C'est sympa, ça vous offre un petit objectif supplémentaire. Examiner le parcours. Je me suis trompé de touche. C'est le pavé tactile que je voulais faire. Ouais, voilà ça. J'avais sélectionné une mission secondaire et pour l'instant, on va rester sur celle-là. J'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Que la mission m'amène encore à Perpète. Ça, ce sont des petites caisses pour avoir des mods. Du coup, c'est des petites caisses checkpoint, quoi. Une batterie, il faut que j'en trouve une. Par là. Allez, forcément, à chaque fois que je mettrai une batterie, je vais avoir des ennemis. Super. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, moi, ce jeu, je le trouve juste excellent. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde, clairement. Peut-être un peu trop complexe. C'est peut-être pas un jeu qui transcendera la plupart des gens. Mais franchement, je le trouve vraiment, vraiment oufissime, quoi. D'avoir un Sea Ops-like, qu'est-ce que ça me manquait. Depuis la PS2, quand même. Hein. Je dis ça, je jouais à ce jeu, j'avais quoi? J'avais 9 ans. Ouais, 9 ans. Ouais, j'en ai 27 aujourd'hui, j'en ai toujours autant envie, quoi. C'est pas par là. Non, non. Ça aussi, putain. Prendre le bon objet. Le seul point négatif que je pourrais vous dire, c'est que quand on affiche la map, parfois elle s'affiche pas. Enfin, vous avez la map, vous avez que les noms des endroits, mais vous avez pas les couloirs qui sont dessinés. Ah oui! Là, de toute façon, voilà, avant le prochain checkpoint, j'aurai toujours ce bug, je pense. Voilà, ça s'est mis, voilà. C'est horrible parfois. Donc, moi qui me perds, putain! Qu'est-ce que ça me fait mal, quoi. Allez, allons activer. Bon, ben voilà, les deux sont faites, hein. Les deux petites missions. On va aller activer ce verrouillage. Je crois que je suis descendu pour rien, c'était en haut. Je pense qu'on terminera là-dessus parce que j'ai pas envie de vous en montrer davantage. Déjà, moi, là, je comprends plus trop. Il faut que je lise toutes les archives que j'ai récupérées. Parce qu'entre tous ces cuts, croyez-moi que j'en ai récupéré une bonne dizaine. Par contre, des archives, selon le jeu, hein, c'est pas moi, c'est les développeurs qui le disent. Hein. Vous en avez vraiment pour vos yeux. Hein. Vous avez... ils avaient dit quoi? Un petit peu plus de 180 archives à récupérer. Enfin, bon, bref. Quand on sait que chaque archive aura au minimum 2 pages à lire, c'est... C'est un bon gros livre Harry Potter à lire, quoi. Eh ben, mais putain, mais jette les objets. Parfois, elle en grabe un, sauf qu'il est bloqué dans le décor. Et du coup, elle est comme une conne, là.
Malgré tout, comme je vous ai... enfin, voilà, ça je vous l'ai peut-être pas dit, mais l'objectif principal, bien entendu, est de retrouver votre frère. Votre frère aurait été enlevé par les gens de ce bureau, et il faut le retrouver. Moi, je pense que depuis le temps, il doit être contrôlé par cette merde-là. Et je sais pas, je suis en train de me dire que s'il faut, là, en fait, je suis même pas dans le monde réel. Déjà, faudrait être timbré pour croire qu'on est dans le monde réel quand on fait ça. Mais je pense qu'on est dans son rêve, en fait. On est clairement dans son rêve. Allez, purifie-toi, voilà. Voilà, une fois purifiée, la pièce cubique se retransforme comme elle était de base. Ah, j'ai pas assez. Hop, récupérer la récompense, comme j'ai buté mes 50 gars, et j'ai mon mode, comme je vous l'ai dit. Non, au final, en fait, il y a 5 missions. Oh bah, tu es des gardes du Hiss, tu corps à corps. On va préférer les tuer, hein. Le corps à corps là, de là, faire triangle dans tous les types, franchement, c'est pas, pas trop envie quoi. J'aime bien voir ce logo vert là dans les portes, ça me montre que j'ai enfin accès. Et celle-là me montre que je n'ai pas accès. Ah si, oh, là là, yes, j'ai enfin les cartes pour accéder ailleurs. Bon, et bien sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère du coup que ce petit gameplay test découverte de contrôle vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, et à ciao !